Hey yo les, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de Chaos Impact. Alors j'ouvre rarement des displays sur la chaîne, vous savez que j'aime pas spécialement ça les ouvertures de booster, mais là j'étais obligé, il y a la Link Rocket à l'intérieur, vous savez que j'adore ce deck et j'en fais pratiquement mon main deck, donc il faut absolument que je chope cette putain de Link, il me la faudrait x2, je sais pas si c'est possible dans une seule display, on verra, en tout cas j'espère que la chance sera avec nous pour cette ouverture. Avant de commencer la vidéo, deux petites choses à vous dire, premièrement je vous fais gagner un booster chaque semaine et cette semaine c'était un booster Chaos Impact évidemment. Gros merci à mon partenaire Le Coin des Barons qui me permet d'ouvrir ça. La deuxième petite chose que j'ai à vous dire, c'est tout simplement qu'ils ont un card market enfin. Ils n'en avaient pas avant. Et du coup, pour aller checker toutes les cartes qu'ils ont en vente, ils ont des prix assez intéressants. Le lien dans la description. Nous, on va passer sur cette deuxième écran. On va pouvoir s'ouvrir tout ça. J'ai beaucoup trop hâte. Ça fait grave longtemps que j'ai pas ouvert de display sur la chaîne. Je sais même plus trop comment on fait. Ça reste des boosters, mais voilà, j'ai pas trop l'habitude de faire ça. J'espère qu'on va looter du lourd. Pas grand chose à vous dire de plus. On passe sur le deuxième écran. Ok, notre petite display est juste ici. Elle est scellée. J'ai préparé les ciseaux, les Messis. Ciseaux et on va essayer de s'ouvrir ça hein, clairement. Donc la vidéo risque d'être assez longue puisque c'est une ouverture de display. Vous pouvez tout de suite vous abonner, lâcher le petit pouce et faites une prédiction un petit peu de ce que je vais dropper. Dites-moi, est-ce que je vais avoir une prismatique ou pas? D'ailleurs, je vous mettrai peut-être un sondage, vous pouvez y répondre tout de suite. Hop, waouh, c'est trop beau, putain. C'est trop beau, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas ouvert de display. D'ailleurs, j'avais ouvert un display au tout début de ma chaîne, donc il y a plus d'un an. Et j'avais droppé une ghost, les gars. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je vous mets le lien juste en haut encore une fois. Ok, premier booster, première édition. Let's go. C'est des boosters de 9, hein, ça. Ouais, c'est ça, c'est des boosters de 9. Donc il y a pas mal de cartes. Je me suis pas trop spoil. En fait, j'ai pas fait la sneak peek la semaine dernière, je pouvais pas. Du coup, j'ai vu des cartes, mais je sais pas trop ce qu'il y a. Je sais juste qu'il y a la Link Salamangreat. Je sais juste qu'il y a des prismatiques. On verra ça. Dino Looter. Bye bye les dégâts. Cascade Marincest, c'est vrai qu'il y a du Marincest. Du Aromage, c'est vrai qu'il y a du support Aromage. Ferme de Tyran. Et ah, il y a du Miroir des Rêves, c'est vrai. Dino Lutteur, Apello, Ampello, Héritage du Monde. Et Luna, Esprit Noir. Luna, c'est le nom de mon chat, donc du coup, c'est assez drôle de voir ce nom-là. Tac, on va mettre les communes de côté et la rareté de l'autre. J'ai beaucoup de hâte. J'espère qu'on aura de la chance. J'espère juste avoir la Link en fait. Vraiment, Chaudron du Vieillard. Cet artwork, ce personnage-là, on le retrouve sur une autre carte Yu-Gi-Oh! Je me rappelle plus le nom exactement. Brinegir, je sais pas trop. Alors, apparemment, ça c'était plutôt une bonne carte pendant la sneak peek. Bête Gladiateur. Et derrière, une super, pardon. Gizmec, Yata. J'aurais préféré que ce soit l'autre Gizmec. Puisqu'il est très très fort. Mais ça reste très très fort. Attraction magique. Rassemblage du monde. Du Aromage et du Héritage du Monde. J'ai pas regardé le prix des prismatiques sur cette display là. Je suppose que c'est des prix abusés comme dans Rira. Je sais pas. Du Dino Looter. Ah, ça c'est pour les. Comment ils s'appellent ces monstres là? Des monstres, des gros tons. Gros tons bien fumés. Chambre Ammonautique, des déchaînés. Du Gardna, ok. Transcendance à la Mangrette. Et derrière. Oh, stylé! Première ultra du booster, et c'est Draco Berserker du Tenny. Et bah, c'est plutôt cool. Ghoul, héritage du monde, et évasion des déchaînés. Franchement, c'est plutôt cool de faire tomber une. Je sais pas trop. Alors, j'ai aucune idée de la valeur des cartes ou quoi que ce soit. Je vous mettrai, si vraiment il y a une pépite et que je passe à côté dans la vidéo, bah, je vous le mettrai. Mais sinon, vu ma chance, hein, on l'a commencé à la connaître dans les ouvertures. Si ça se trouve, il y aura rien d'exceptionnel. Spirale Galactique, bye bye les dégâts. Ça doit être bien fumé comme carte. Pas spécialement. Dragon blindage Choban, je sais pas trop. Vent béni, et derrière, une super, c'est du miroir de rêve. Prélèvement d'âme, neige marine cesse, du dino lutteur Ampello, et danse avec les bêtes. Alors, miroir de rêve, du chaos, laurier rambage, mandra guifor. Voilà, c'est le bulldozer, mais c'est un nom, chenille infinie, voilà, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure. Une super, une rare, pardon, putain, mais je dis n'importe quoi, il est tard au moment où je tourne cette vidéo. Et sacrifice paisible, ok. Ça du coup, ça va être c'est un sacrifice inutile pendant qu'on va faire pendant le tour de l'adversaire, why not. Papillon Séraphin, du Dragon Galaxie et du Héritage du Monde. Ouais, les boosters sont super mal. Tac, oh, j'ai oublié une carte dans le booster. Tac, voilà. Hop, juste ici. Tac, Mimikouril, action magique double des verts, du Marincest, dragon surexplo
Et derrière, une secrète. Oui, monsieur. Prison de l'abomination. Et bah, c'est cool. Plutôt, franchement, on a ouvert 10 boosters, même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 boosters. On a eu déjà une ultra et une secrète. C'est quand même pas trop mal. Assemblage du monde, du Marine Cess et Esprit Noir de Kelly. Je me dis, si ça se trouve, j'ai déjà fait tomber tout ce qu'il y avait. J'ai toujours peur, en fait, les ouvertures, je suis naze. Et j'espère vraiment faire tomber cette fameuse Link Rocket. Alors, ça, c'est un ton de sacrifice 2008. Ok, c'est un Cyborg. Et c'est du colonisateur de suppression. Retour de la bête gladiateur, miroir des rêves, du chenille infini, monstre express et une super arômage. Galaxie spirale, canon fatal et boule astrale. Ah, je galère à ouvrir les boosters. Tac, bye bye les dégâts, avion. Oh, du bad gladiateur et derrière une super. On est abonné au super pour l'instant. Papillon séraphin, lune noire, luna esprit noir et du marine cesse et du marine cesse. Pas du tout les communes marine cesse. Je sais pas ce que va donner le deck. Peut-être qu'il va prendre sa place dans la méta. J'ai cru comprendre que c'était très très fort. J'ai joué contre des decks qui remontaient en fait systématiquement. Tu niquais son board, le tour d'après il remontait, donc c'était assez hallucinant quoi. Du salamangreat, coquille bruyante, vieil esprit. Ça ressemble vachement à la carte échange. Dino Luther, du ruée de broyage, bataille brutale de bête, l'artwork est super joli avec le maître d'os derrière. Et répression, rêve prime, je pense à répression, la carte de cette extension là, Dark Neostorm. Je sais pas pourquoi du coup j'ai dit ça, mais c'est, du coup c'est une super, une ultra. Tac, océan de combat Marine Cess, neige Marine Cess et action magique. Bon, on a deux ultras. La Link Rocket est une ultra. J'espère qu'elle va tomber. Je crois que c'est une ultra. Je vous dis, je ne me suis pas trop renseigné sur l'extension avant de l'ouvrir. De l'aromage, du Bad Gladiateur, du Shobam, Ferme Tyran et derrière du Miroir de Rêve qu'on a déjà eu. Rassemblage du monde. Boons tout seul. Ok. Est-ce que c'est une référence à Boons dans l'animé? Je pense pas. Clé du monde et Neige Marine Cess. Je pense qu'on a ouvert plus ou moins la moitié de la boîte. C'est à peu près ça. Je connais pas trop les ratios. C'est deux secrets par boîte, peut-être quelque chose comme ça. Avion de patrouille, électrotrain. Électrotrain, je crois que c'est fort. En tout cas, j'ai vu des personnes collectionner cette carte-là. Big up à toi, si tu te reconnais. Interface gardien, du chenille infini. Oh, c'est un lien derrière. C'est un lien. Franchement, ce serait cool si c'était le Rocket. Du Salamangreat, et c'est pas du tout le Rocket, c'est du l'œil maléfique. Oh, j'ai le seum, putain, je veux vraiment la Rocket. Du Gladiateur, étoile brûlante, et Bayonner, le canon fatal. Alors, Spirale Galactique, du Salamangreat, du Dino Luther, c'est encore un Rocket. C'est encore un Rocket. Emmêlement spirituel, et du Super Marine Cess. Bon, c'est encore un Link et c'est toujours pas la bonne carte. Action magique, évasion sanitaire, Marine Cess et clé du monde. Clé du monde qu'on a à gogo du coup. Hein. Je sais pas si cette carte va être worse ou pas, j'ai pas encore lu l'effet. Alors, avion de patrouille, cascade Marine Cess, interface Gardena, bye bye les dégâts, monstre express, du miroir de rêve, la fusion en super. Galaxy Spiral, ouais, je vais me crever. Je suis malade en fait au moment où je tourne cette vidéo, j'ai grave mal de tête. Danse avec les bêtes et évasion désenchaînée. Attends, je pouvais pas attendre pour la tournée. J'avais beaucoup trop envie de voir si j'avais déjà du Prisma, hein, ça aurait été très très cool. Mais surtout la Link Rocket, parce que j'ai envie de build mon deck Rocket autour quoi. Retour des gladiateurs, la carte imprononçable, laurier aromage, vent béni et encore la. La Super Marine Cess, j'espère qu'elle est cool parce que du coup on l'a fait tomber à gogo. Ah, c'est la première fois qu'on l'a celle-là. Criquet pèlerin. Il nous reste combien? Il nous reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il reste 10 boosters. 10 boosters, on a eu une secrète et 2 ou 3 ultras. Alors, électrotrain. Mecha Chiril. Salamangreat. Et la super ultra de chez les Tenny, mais c'est toujours pas la fucking Link Rocket, Galaxy Spiral, prélèvement d'âme et gladiateur.
Alors ça se trouve elle est cool. Putain, on a fait tomber grave de tennis du coup, on a fait tomber les deux ultra tennis. Alors je sais pas si on a que deux, hein, mais en tout cas on a fait tomber deux ultra tennis. Tac et tac. Pas trop mal. Maintenant on veut faire tomber la roquette. Alors, vraiment, ça c'est l'objectif. Si elle tombe pas, j'aurai un peu le seum. Mais bon, en même temps, ça sera dans la suite logique de toutes les ouvertures que je fais. Enfin, toutes. Je fais pas beaucoup d'ouvertures non plus. Mais, oh, dragon nébuleuse. Et Gizmec qui attaque. On a déjà eu du Marisès, assemblage du monde, danse avec les bêtes et du Dino Luther. Alors, rue de broyage, la carte imprononçable, du Marisès, du Brinegir. Emmêlement spirituel et une super. Action magique, arômage et criquet pèlerin. Rapproche de la fin. Et je sens, je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment à chaque fois. On verra. Du salamangreat, rouillé de broyage, la carte imprononçable, jumelé des enchaînés Arua et. Oh. C'est pas mal. De mémoire, c'est une carte qui cote un bon petit 70 euros. Non. C'est pas trop mal. Alors après, elle vient juste d'être éditée, mais c'est pas mal du tout. Je suis assez content. C'est la deuxième secret. C'est pas celle que je sais pas du tout ce que je veux, mais c'est cool quand même. L'étoile brûlante, bonze tout seul, goulastra et papillon séraphin. Peut-être de la merde sur les cotes. Surtout que, bah, du coup, les cotes, vu que la display vient juste de sortir, on sait pas trop encore comment les prix vont se stabiliser. Miroir des rêves, du Marisès, Mecha Shirella, le monstre à sacrifice à 2008. Monstre Express et du Arômage. C'est quoi, c'est pas c'est Monster Express, si c'est ça. Pas comme Monster Reborn, Monster Reborn, Monster Express, bref. Du Marisès, du Arômage, Aroma, mais c'est peut-être Arômage, et Action Magique. On a eu deux secrets du coup, je sais pas trop quel est le tarot de ces boosters là. C'est bon, je crois que j'ai oublié une carte. Alors, du Désenchaîné, du Chenille Infini, du Koba, du Esprit Ténia, je crois qu'elle est demandée celle-là. Et derrière, on a la Super. Du Étoile Brûlante, Danse avec les Bêtes, Bayonner, Bayonneter, le Canon Fatal, hein, clairement ça suffira, et du Hiladateur. Alors, du Marisès, le monstre à sacrifice qui est assez sympa. Je trouve que l'artwork est cool, franchement. J'ai un peu un ninja mecha, je sais pas trop. Action magique, chaudron du vieillard, du bête gladiateur et une ultra Roger du gladiateur. Ok, je pense que c'est du bon support pour les gladiateurs, ça fait plaisir. Océan de combat Marisès, boom Pauline, ok, et galaxie spirale. Trois boosters, mes potes, trois boosters. Je sens que tous ceux qui ont fait un putain de prédiction, ils sont en train de modifier leurs commentaires. Retour de la bête gladiateur, avion de patrouille, le chêne infini. Du Salamangreat et une super pour, je crois que c'est l'œil maléfique. Prélèvement d'âme, du arômage, du aroma et du Dino Luther. On va pas avoir la Link Rocket, vous y croyez, vous? Mais c'est fou quand même. C'est fou. Cascade Marisès, le monstre à sacrifice, sympa. Du Mecha Shirella, Lubrinegir. Oh, on l'a pas eu celle-là encore. Du miroir de rêve, spectre du miroir de rêve en super, du canon fatal, héritage du monde et du Marisès. En fait, je crois qu'il faut que j'arrête de me dire je vais ouvrir un booster et dedans j'espère avoir, parce que du coup ça marche jamais. J'ai fait du sast en espérant avoir. Je sais même plus ce que je voulais dedans, mais bref, je voulais des cartes, je les ai pas eues. J'ai fait du dual power, j'espérais avoir infinite, je l'ai pas eu. Je crois que je suis maudit. Retour de la bête gladiateur, du Gardena, électro-train, c'est le dernier booster, hein. Du bête gladiateur et une super miroir de rêve. Eh bien, on n'aura pas eu la Link sur une display complète. J'ai bien le seum, mais c'est pas trop grave parce qu'on a quand même eu deux secrets, donc c'est plutôt mal. L'étoile brûlante, Dretage du monde, du Marisès et du Draco Galaxy. On va faire un petit récap parce que bah, c'est toujours cool de faire un petit récap. Alors, dans les rares, on a eu pas mal de bêtes gladiateurs. C'est plutôt cool le support bête gladiateur, franchement. Le support Salamangreat, je sais pas s'il va être fort. Et après, bon, on a quand même eu des cartes sympas, hein, franchement. On a pas eu mal le miroir de rêve. On a eu du l'œil maléfique. Roger Gladiateur en ultra, c'est plutôt cool. On a eu pas mal d'arômages. On a eu la petite secrète âme déchaînée, c'est plutôt cool. On a eu l'ultra Tenny et l'ultra Link Tenny. Donc la synchro et le Link. On a eu pas mal de Marisès, de l'œil maléfique. Ça, c'est
pourquoi pas, ça peut être sympa. Et une deuxième secrète sur les déchaînés. Why not, hein, franchement, why not. Ça peut être très sympa, honnêtement. Notamment dans les decks, je suis en train de penser, en fait, dans les decks orcustes, puisque bah, du coup, tu peux envoyer pendant le tour de l'adversaire, si t'as le terrain orcuste, tu peux faire ton play pendant le tour de l'adversaire, et du coup, tu peux remonter tout un board, ça peut être assez sympa. Franchement, je vais réfléchir à le mettre dans mon deck. Du miroir de rêve, du gizmec et du miroir de rêve. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas, vous pouvez participer à ce concours-là, le lien dans la description. Il est à gagner un booster par semaine, comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires si certains parmi vous ont eu la Link Rocket, j'aurais beaucoup trop le seum, mais bon voilà, c'est pas grave, c'est le jeu. C'est aussi le risque d'ouvrir des boosters Yu-Gi-Oh! C'est toujours comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce en l'air et vous abonner, ça fait toujours plaisir. On a passé les 3000, on est bientôt à 3100, c'est juste dingue. Et toute cette aventure est géniale. Prenez soin de vous, faites un duel et collection de cartes. Et surtout à bientôt. Allez, ciao !